Vous faites ça, hein? Pourquoi? Pourquoi on est obligé d'utiliser des pierres si on veut recharger nos ATC pour pouvoir jouer? Pourquoi un jeu free-to-play, il se veut à chaque fois mettre la main au portefeuille pour acheter des pierres d'invocation, pour avoir des packs? Tu vois les prix là? Une pierre 1 euro, mais t'es malade ou quoi? 100 pierres 45 euros, mais vous, ça va pas bien dans votre tête les gars! Donc regardez, j'ai fait toutes les quêtes. J'ai fait toutes les événements, tous les portails. Donc voilà, donc maintenant je peux choper aucune pierre et je suis obligé d'attendre un jour journalier de récompense parce que à chaque connexion tous les jours, tu as une pierre tous les jours gratuite pour te dire oh merci de nous avoir suivi fidèlement, tu vas avoir une pierre gratuite. Allez, c'est gratuit. Ça ne suffit pas, sachant qu'une pierre d'invocation pour aller ouvrir les packs, c'est 40 si tu veux te faire plaisir, hein. C'est 50 pour une multi-invocation, c'est 5 pour un perso simple. Mais les gars, oh putain, en plus il y a un nouveau pack, bah non les gars, il y a un nouveau pack en plus. Vous êtes sérieux là? On peut rien faire. Donc on a tout fait, on a tout divagué, même Shenron, je peux même plus l'invoquer, j'ai fait tout avec lui, regardez, c'est pas du mytho, je suis à peine en level 79, c'est rien du tout, le dragon je l'ai tellement utilisé qu'il en peut plus, les radars il les détecte plus les boules, mais moi, qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi on est obligé de payer maintenant? Eh ben moi je payerai pas, j'attendrai parce que je suis le gars le plus patient de l'univers. Même sur Namek, ils ont voulu savoir mon secret pour être patient. Mais je te le donnerai pas et je payerai pas. Voilà, en tous les cas c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, c'est dommage. Vivement Xenoverse 2. Merde!